Salut tout le monde, salut tout le monde. C'est la chaîne de dégustation et là on va tester la galette des rois. Donc quand je l'ai achetée, cette galette des rois, c'était pas la période, elle était en promo. Voilà, consommée rapidement. Donc moi j'aime beaucoup les galettes des rois, franchement. Après, je préfère celle du boulanger que celle de Carrefour. Mais ça passe. Ça passe avec de la pâte d'amande. Est-ce que je vais avoir la fève? Dun, dun, dun. Donc moi j'aime bien, c'est le côté pâte d'amande que j'aime bien à l'intérieur. Frangipane. Moi j'aime bien avec la pâte d'amande. Je préfère celle-là que la briochée. Voilà, je préfère celle-là que la briochée. D'ailleurs, je me posais une question, pourquoi ils n'en font que pendant la fête des rois? Voilà, pendant les fêtes de Noël et en début d'année. Ah, ça m'a fait mal aux dents. J'ai eu la fève. Simple coïncidence, je ne pense pas. En pleine vidéo en plus. C'est quoi? Ah, c'est une brebis. Ah, c'est une brebis comme ça, Zarma, dans la crèche de Noël. Donc c'est une exclusivité. En direct, j'ai été consacré. Fête des rois. Roi des cons, c'est sûr. Donc moi j'aime bien, je vais me taper deux parts là. Donc je ne vais pas faire une vidéo très longue. Voilà, juste pour dire mon avis. Je préfère celle-là. Voilà, je préfère encore celle de la boulangerie. Elle est un petit peu meilleure, je trouve. Mais ça se vaut, on va dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Et vous pouvez regarder les autres vidéos qui vont s'afficher là, là, là et là.